enfin réussi. Bon allez, maintenant du coup je vous montre le tuto en entier, histoire de bien vous apprendre si jamais vous n'avez pas capté comment faire. Tu prends un petit morceau comme ça et tu vas plier juste un côté. Ensuite tu remplis ce que tu veux, si tu veux mettre des paillettes tu peux le faire. Tu veux rien mettre, tu mets rien. Ensuite tu prends la pompe comme ça et moi j'avais mis le fil, du coup vous mettez sans rien du tout, c'est mieux quand ce sera plus facile pour gonfler. Tu fermes bien des deux côtés puis après t'enlèves le film transparent. Ensuite tu vas faire chauffer avec le sèche-cheveux 1 minute voire 1 minute 30 histoire que ce soit bien chaud. Et après tu vas bien l'étirer comme ça. Et après tu gonfles comme si tu faisais un ballon. Tu le tires rapidement puis tu le bloques, après tu prends si tu veux du chaud pour essayer de bien fermer tout ça. C'est ce que j'ai fait avec le sèche-cheveux et comme ça c'était nickel, regardez-moi comment c'est trop beau. Ah je suis trop heureuse, ça fait plusieurs jours que je voulais savoir le faire. Ensuite après si tu veux peindre dessus, fais attention de pas trop appuyer pour éviter que ça s'éclate. Après c'est assez extensible donc ça va, c'est cool. Moi j'ai voulu faire des petits trucs mignons que je voyais dans les trends et tout, je trouve ça trop chou. En tout cas c'est bon, c'est parti, je vais pouvoir faire une famille entière de petites bulles comme ça. La prochaine fois faut que je trouve que j'essaye avec du slime à l'intérieur. Je sais pas si ça va fonctionner.